Good morgen, allez, Iden et Tchusra, aujourd'hui, le Lunishmat Avram Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani, David, Ben Fortuna, Fritna, Mazal, Dvora, Bat, Esther, et Tamar, Bat, Monique, Assouline, Né, Soussan. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Ketubot, Perik Bet, Mishnah Dalet, Ze Omer, Zektav Yadi, Vezektav Yado, Shel Chaveri. Veze Omer, Zektav Yadi, Vezektav Yado, Shel Chaveri. Arei, Elou, Ne Emanim. Ze Omer Zektaviadi, Veze Omer Zektaviadi, Tzrichin le Tzaref imahem acher, divrei Rabbi Meir, Vachachamim omrim, Enan Tzrichim le Tzaref imahem acher, Ela Neeman Adam Lomar Zektaviado. Mishnah un petit peu hors sujet. C'est-à-dire, en fait, on a, ça en va pas avec ce qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, qu'on a parlé du Kiyum Shtarot. Suite à ça, cette nouvelle Mishnah vient nous apprendre quelques petits détails du Kiyum Shtarot. C'est quoi le Kiyum Shtarot d'abord? On va poser le problème d'abord simplement, après on va peut-être expliquer un petit peu plus profondément ce qui se passe. C'est des sugyot qu'on étudie très longuement dans les shivot, des sugyot de shtar, comment fonctionne un shtar. Très succinctement d'abord, on avait dit que lorsque deux personnes signent un contrat, Reuven ben Yaakov et Shimon ben Yitzhak. Reuven et Shimon, ils ont tous les deux signé un contrat. Ils m'ont signé à moi que vous m'avez vendu votre maison. Donc votre maison maintenant, grâce à ça, je détiens la maison. On a maintenant un quiproquo entre nous. Vous venez, vous dites non, je ne l'ai pas vendu, je l'ai vendu, je n'ai pas vendu. Je sors le shtar. Il y a Reuven et Shimon qui sont signés. Ça suffit, je montre ça au Beddin. Le Beddin, s'il croit ça, c'est franchement des pigeons, quoi. Non, Bémet. C'est moi qui ai signé, Reuven Shimon. Il veut que je rajoute aussi Yehuda et Issachar aussi, pourquoi pas. Comment on va réussir à prouver que c'est Reuven et Shimon? Il va falloir faire certifier les signatures. Pour certifier les signatures, on a, en fait, deux procédés. Le procédé le plus logique, c'est... On a trois procédés, on va dire, c'est déjà, quoi. Il y a tout d'abord deux témoins externes qui viennent et qui disent, effectivement, nous reconnaissons la signature de Reuven et la signature de Shimon, donc le contrat a été attesté. Le shtar, il a été mekuyam, les kayem. Ouais, kayam, quelque chose qui se tient debout, les kayem, maintenir. Donc il a été certifié. Ou encore, au lieu d'avoir deux témoins, on sait qu'on a à part ça au Beddin, on sait qu'il y a un autre contrat qui a été signé par Reuven et Shimon aussi, on compare, on voit que c'est exactement la même signature, dans la forme, comme dans la manière de on regarde, on distingue comment la manière de tenir le stylo, la plume, et on voit que c'est la même chose. D'accord? Donc il faut nécessairement deux témoins. Une fois qu'on a les deux témoins qui viennent, qui disent que les signatures sont des bonnes signatures, alors, dans ce cas-là, maintenant on sait que les deux témoins qui sont là, ils sont justes, et désormais, on a ici un contrat signé qui prouve que Reuven a vendu la maison, a prêté de l'argent, ou a prêté de l'argent plutôt. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a entre parenthèses, c'est un grand sujet qu'on étudie dans les chivotes, comprendre comment fonctionne le shtar, c'est un très vaste sujet, parce que de manière générale, ça n'existe pas d'écrire un témoignage. Imaginez que j'ai vu une scène, c'est le Gmal, pas dans ça, dans cette déprime de Ketubot. Imaginez que j'ai vu une scène il y a 30 ans, que, peu importe, Reuven il a acheté la maison, il a fait quelque chose, et donc pour ne pas oublier, j'écris sur un papier, que je garde dans mon petit portefeuille, dans mon petit bloc-notes, et puis 30 ans après, j'ai besoin de ce témoignage, je le sors, et je lis que j'ai écrit ça il y a 30 ans, maintenant, dans ma tête, je me souviens de rien. Mais je me souviens d'une chose, que si j'ai écrit ça dans mon petit carnet personnel, ben c'est sûr que ça s'est passé. Est-ce que je peux témoigner sur une chose pareille? Et la réponse, elle est non. Parce que quand je témoigne, il faut que ce soit un être humain qui ait dans la tête les données et qui nous les communique. Et si jamais il les a plus, alors il ne peut pas écrire ça et doute sur un papier, et quand il lit ce papier, si le papier ne lui évoque rien, il ne lui rappelle rien, il ne pourra pas témoigner. Il faut nécessairement se souvenir parce qu'on a vu la chose. Ça, c'est en général. Pour un shtar, ça fonctionne très différemment. Un shtar, à partir du moment où on a Reuven et Shimon qui ont signé, ils ont fait que maintenant ce papier-là est un contrat en bonne et due forme par lequel on peut réclamer de l'argent. Si ensuite il y a Reuven et Shimon qui viennent et qui disent « mais on ne se rappelle de rien du tout », on sait juste que c'est notre signature, il n'y a pas de doute, on ne se rappelle pas de la scène. Et bien on pourra faire ressortir de l'argent ou utiliser ce shtar comme un bon shtar. Pourquoi? Parce que c'est justement tout le fonctionnement du shtar qui consiste, cette fois-ci, que c'est pas que c'est un témoignage face au Beddin, mais c'est qu'on a créé un document qui fait office de preuve en soi-même. C'est lui la preuve maintenant. D'accord?
On va pas extrapoler du tout. Il y a beaucoup de quoi philosopher sur comment fonctionne un shtar. Ce qui nous concerne maintenant pour notre Mishnah, c'est de savoir quelles sont les personnes aptes à témoigner. Soit, bien évidemment, en Asie, s'il y a deux personnes étrangères qui viennent et qui témoignent, ça marche. Mais même mieux que ça, même si c'est les deux personnes qui ont signé, qui viennent et qui témoignent chacun sur son écriture et l'écriture de son voisin. C'est-à-dire, moi, en fait, sur le fait que moi je suis Reuven Ben Yaakov, moi, je témoigne que moi, j'ai signé Reuven Ben Yaakov. Et Shimon, qui est venu avec moi, il témoigne aussi que moi, je suis Reuven Ben Yaakov, que c'est ma signature. Donc, il y a deux témoins sur Reuven, deux témoins sur Shimon, et la Mishnah nous dit que ça marche, premièrement. Vous allez me dire, quoi de plus évident? Mais c'est pas du tout évident, parce que de manière générale, moi, je peux pas témoigner sur ce qui me concerne à moi. Et là, quand je viens, je témoigne que ma signature, c'est une bonne signature, mais ça marche quand même, parce qu'on a au moins deux personnes cachères qui sont venues nous raconter que cette signature, elle est cachère. Ça, c'est la première partie de la Mishnah, il n'y a pas tellement de grand chidouche. Le grand chidouche, ça va être la suite de la Mishnah, vous allez voir. Zéomer, Zektaviadi, Zektaviado, Shalchaveri. L'un vient et me dit, c'est mon écriture, et c'est l'écriture aussi, c'est ma signature, et c'est la signature de mon ami. Donc moi, je témoigne sur moi-même et sur Shimon. Et Shimon aussi, Vézé Omer, et l'autre, il dit aussi. Il dit la même chose, Zektaviadi, Zektaviado, Shalchaveri. Il dit, c'est sa signature, Shimon, il témoigne sur lui-même. Et aussi, il témoigne sur la mienne, que c'est bien ma signature. Eh bien, Arielou Nemanim, les deux sont crus, parce que maintenant, on a. C'est-à-dire, on a plus que ça, on n'a pas que les deux, on a que les deux signatures sont maintenant crédibles, certifiées conformes. D'accord? Ensuite, Ze Omer Zektaviadi, Ve Ze Omer Zektaviadi. Tsrichim le tsaref imahem acher divri rabbi. Regardez ce qui se passe. On arrive tous les deux, Reuven et Shimon, nous venons devant le Beit Din. Et on va leur dire, moi je ne connais pas la signature de Shimon. Mais je peux vous dire que ce qui est écrit ici, que c'est Reuven Ben Yaakov, c'est moi. Et lui dit la même chose. Il ne peut pas témoigner sur moi, mais il témoigne pour lui-même. Et c'est bien, bel et bien, sa signature à lui. Il nous l'atteste. Il s'avère que maintenant, on n'a pas deux témoins pour certifier chacune des signatures. Mais, ouais, il y a chacun qui témoigne sur soi-même, en fait. Premièrement, peut-être qu'il aurait fallu juste commencer par là aussi. S'il y a un seul témoin qui vient témoigner sur Reuven et un témoin qui vient témoigner sur Shimon, on ne pourra pas certifier le contrat, vous êtes d'accord? Parce qu'il faut pour chaque signature, tout ce qui doit, tout ce qu'on doit faire pour faire valider au Beit Din, il faut nécessairement deux témoins. Donc, on a deux choses à vérifier, la signature de Reuven et la signature de Shimon. Pour la signature de Reuven, il va nous falloir deux témoins. Pour la signature de Shimon, il va nous falloir deux témoins. S'il y a un témoin qui vient sur Reuven, un témoin qui vient sur Shimon, on ne dit pas qu'on a deux témoins pour valider le shtar, pas du tout. On a un témoin pour la moitié du shtar, un autre témoin pour une moitié du shtar, et en fait on n'a aucun témoin pour un shtar entier. Donc on n'a rien pour le moment. Il faut nécessairement deux témoins pour la première signature, deux témoins pour la deuxième signature. Ça peut être les deux mêmes personnes, il faut que chacun s'exprime sur les deux signatures. D'accord? Alors maintenant je reviens sur le cas maintenant, c'est pas que c'est une personne étrangère, c'est moi-même qui viens et qui témoigne que je signe. Et lui il vient et témoigne aussi qu'il a signé. Sur ça, Rabbi nous dit, ben, c'est pas bon, parce que pour pouvoir valider la signature, il faut nécessairement deux témoins. Ouais, il faut nécessairement deux témoins pour valider chaque signature. Et si Reuven n'est pas capable de dire que Shimon aussi l'a signé au même moment, ou que non, finalement, je peux juste venir vous dire que moi, il manque deux témoins, concrètement, d'accord? Ça prend pas le même... Sur ça, il y a Chachamim, Vachamim, Omrim... Et là, Ne'eman Adam Lomar, Ze Ktav Yadi. Chachamim, eux, nous disent qu'ils ne sont pas d'accord sur ça. Ils nous disent non. C'est vrai qu'une personne ne peut pas témoigner sur une seule signature, il faut nécessairement deux témoins. Mais quand c'est moi-même qui viens témoigner pour moi, que c'est ma propre signature, alors là, ça marche. Pourquoi ça marche? Alors là, il y a une petite finesse. C'est qu'en fait, regardez. Quand le shtar, il est validé, c'est parce que moi qui suis signé en dessous, c'est comme si je suis en train de vous raconter ça. Alors j'ai mieux à faire maintenant, c'est que moi-même je viens et je vous raconte que ce qui est écrit c'est vrai. Donc à partir du moment où moi je vais venir témoigner que c'est ma signature, c'est pas que je suis en train de témoigner que ma signature elle est bonne, je témoigne plus que ça. Je témoigne que tout le contrat il est bon, je suis en train de revalider de nouveau le contrat. Autant que je pouvais signer à l'époque et faire valider le contrat grâce à ça, et bien en ce moment quand je témoigne sur ma propre signature, je prends une allure beaucoup plus violente, beaucoup plus forte, que c'est pas que je suis en train de certifier la signature, je suis en train de certifier le contrat en fait, c'est encore plus fort. Et de ce fait, puisque moi qui suis signé, je certifie le contrat par ma signature,
Et ben lorsque je viens, je témoigne que c'est moi qui ai signé, je suis en train en ce moment de certifier le contrat directement. Pas que la signature en dessous, mais tout le contrat lui-même, je suis en train de le valider. Et sur ça, Rabbi Kirolek, qui nous dit non, ça marche pas comme ça. En rapport avec le principe qu'on avait introduit, que les témoins, en fait, qui signent en bas, ils se souviennent pas forcément de ce qui a été écrit dans le contrat. Mais malgré tout, parce qu'ils sont signés en bas, on valide le contrat. Donc de ce fait, quand moi je viens et je témoigne que c'est ma propre signature qui est signée, je peux pas témoigner sur le contrat. Je témoigne nécessairement que juste sur le fait que ma signature est bonne. Et sur Rabbi va nous dire, ben, si tu témoignes que la signature est bonne, il faut deux témoins pour témoigner sur la signature, ça ne servira à rien que ce soit toi-même plus qu'un étranger, d'accord? Mais c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.